心。第1話ではお嬢さんとの恋愛、ケイとの友情、裏切り、自殺を先生の目線で描きました。第2話では原作にはないケイの目線でこの物語を描きます。果たしてケイの目には2人はどう映っていたのでしょうか。そしてケイはなぜ自殺という手段を選んだのでしょうか。名作こそ青い心、最終話ご覧ください。Bonjour madame, bonjour mademoiselle. Voici l'ami dont je vous ai parlé l'autre jour. Son nom est K. Soyez le bienvenu. La fille de la maison était belle comme une fleur de tournesol. Dis donc, tu ne pourrais pas être un peu plus aimable ? Tiens, il y a un petit bureau ici, c'est très agréable. Soit tu t'installes dedans, soit tu t'installes dans ma chambre. C'est comme tu préfères. Le bureau. Excusez-moi. Oui, entrez. Tiens, votre ami va s'installer dans la pièce du fond ? Oui, apparemment. Cette pièce n'est pas très grande, mais elle a l'avantage de donner sur le jardin. Je crois que vous l'aimez bien, maître. Vous l'appelez maître ? Oui, mademoiselle a pris l'habitude de m'appeler comme ça pour me taquiner. Ce n'est pas pour vous taquiner. Vous passez votre temps le nez dans vos livres comme un vieux maître du savoir. Vous vous laissez impressionner trop facilement. Comparé à vous, le premier venu passerait pour un maître. Oh, vous êtes méchant. Au fait, monsieur K, il risque de faire froid dans cette pièce. Si vous voulez, je peux vous prêter un petit poêle dont on ne se sert plus. Non, merci, ça ira. Ma chambre est chauffée, donc si tu as froid, n'hésite pas à venir me rendre visite. Non, pas la peine. Bon, je n'insiste pas. Comment ça se fait ? Vous ne craignez pas le froid, monsieur K ? Si, mais j'apprends à contrôler la douleur. Oh. Dites donc, il est bizarre, votre ami. Qu'est-ce que j'aime jouer du koto. Tu t'entraînes beaucoup, mais les résultats ne suivent pas. Je tiens ça de vous. Tu te moques de moi ? Oh non, mes pères m'avaient dit que la musique et vous, ça ne faisait pas deux. Les femmes sont-elles toutes aussi bruyantes ? Vous êtes en train d'étudier ? J'ai préparé du thé. Vous voulez venir le boire avec moi ? Non, merci, ça ira. Pourquoi est-ce que vous dites toujours non ? Qu'est-ce qui est arrivé à votre Akama ? Vous avez un trou ? Enlevez-le. Pas la peine. Hé, hey, qu'est-ce qui vous prend ? Vous avez l'air gêné. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Eh bien, dans ce cas, enlevez-le. Arrêtez ! Bonsoir, c'est moi, je suis rentré. Madame ? Mmh.
Il y a quelqu'un? Pourquoi a-t-elle fait ça? C'est parce que je lui plais? Ou seulement pour se moquer de moi? Tu rentres bientôt ces derniers temps. Ah, oui, mais que veux-tu? Les cours m'ennuient, c'est tout. Alors, qu'est-ce que tu penses de la vie avec mademoiselle et sa mère? La compagnie des femmes t'est toujours aussi désagréable? Disons que... Disons que quoi? Ce n'est pas vraiment qu'elles sont désagréables, mais je ne les comprends pas. Comment ça? Elles ne m'ont pas l'air de vouloir apprendre quoi que ce soit en rapport avec la sagesse. Disons que comme les hommes et les femmes sont complémentaires, ils ne reçoivent pas le même enseignement. Peu importe. Quiconque ne cherche pas sans relâche à élever son esprit vers la voie est idiot. Oui, mais la quête de la voie à outrance n'est pas une bonne chose non plus. Es-tu en train de dire que je m'égare? Non, pas exactement. Plutôt que tu oublies les choses de la vie. Tu crois que la voie n'est pas liée à la vie? Tu insinues que je perds mon temps dans des lectures inutiles. Je ne trouve pas ça très drôle de ta part. Si on ne peut rien dire, tu es très susceptible aujourd'hui. Je t'ai rarement vu comme ça. Peut-être que cela est lié à mademoiselle? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai visé juste. Toi, t'enticher d'une fille comme elle, c'est un comble. Tu n'as rien compris. Les femmes sont un obstacle à l'étude de la voix. Très bien, si tu le dis. Monsieur K, votre main est glacée. Et si on marchait tous les deux? Nous aurait-il surpris? Désolé. Ce n'est rien. Pourquoi faites-vous ça, mademoiselle? C'est lui qui vous l'a demandé, n'est-ce pas? Oui. Mais il ne m'a pas demandé d'aller jusqu'au bout. Non! Ah!
J'ai une faveur à vous demander. Je voudrais que vous m'emmeniez loin d'ici, s'il vous plaît. Pourquoi ? J'étouffe ici, et si je ne prends pas mon destin en main en m'en allant, je crains d'y passer la fin de mes jours. Vous êtes folle. Et vous, vous êtes lâche ? Dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Hé hey. Hein ? Quelque chose ne va pas, Ka. Non, désolé de t'avoir réveillé. Ce n'est pas grave, t'inquiète pas. Bonne nuit. Bonne nuit à toi. Qu'est-ce que je dois faire ? Hé, hey, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as des soucis ? Ça ne va pas du tout. Je ne sais pas comment exprimer ce que je ressens. J'ai besoin de ton aide. Je suis amoureux de mademoiselle. Je t'en prie, dis quelque chose. Ton silence m'effraie. Tu me méprises, c'est ça ? Je vous en supplie. Nous devons nous enfuir au plus vite. Mais qu'est-ce qui vous prend ? C'est affreux. Ma mère m'a trahi. Elle vient de promettre ma main à quelqu'un. Je vous en prie, nous n'avons pas de temps à perdre. Mais... Je vous en supplie. Faisons notre vie ensemble. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis en plein travail. S'il te plaît, j'ai besoin de te parler. Qu'est-ce que je dois faire ? Suis ton instinct, ce n'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire. Aide-moi au nom de notre amitié. Je suis totalement désemparé. Tu veux savoir si tu dois faire marche arrière ou te lancer corps et âme dans l'aventure ? La seule question à laquelle tu dois répondre est la suivante. Peux-tu vraiment faire marche arrière ? Rappelle-toi ce que tu as dit. Quiconque ne cherche pas sans relâche à élever son esprit est un idiot. C'est vrai, tu as raison. C'est moi qui me comporte en parfait idiot. Changeons de sujet. Il faut savoir, je croyais que tu voulais qu'on parle. Et puis ce n'est pas en changeant de sujet que tu vas oublier tes états d'âme comme par miracle. En matière de sentiments, la volonté est bien impuissante. À moins d'être capable de passer outre ses sentiments. Oui, c'est vrai. C'est ce que m'apprend la quête de la voix. Ça y est. Partons demain matin. Vous n'aurez qu'à dire que vous allez à l'université comme d'habitude, mais vous me rejoindrez. Quant à moi, je vous attendrai à la gare. Tu es malade ? J'ai l'impression. Reste au lit aujourd'hui, tu as besoin de repos. Oui, c'est ce que je vais faire. Je risque de rentrer tard ce soir. Tu n'as pas de problème, j'espère. Non, c'est rien de très important. Allez, j'y vais. Au revoir. Passez une bonne journée. Comment vous sentez-vous ? Un petit peu mieux, merci. Oh, vous êtes très chargée aujourd'hui. Les études, ça n'est pas de tout repos. Oui, madame, je risque de ne pas être là pour dîner. C'est lié à votre assaise ? Non, j'ai une petite course à faire. Ah, d'accord. J'aimerais vous poser une question. Lorsque vous aurez votre diplôme, qu'est-ce que vous comptez faire ? Je n'ai pas encore pris de décision. Parce que, pour ce qui est de votre hébergement ici, je voulais vous dire que...
Ça va s'arrêter. Vous devriez déjà commencer à chercher une autre chambre à louer. J'imagine que vous ne voulez pas vivre sous le même toit que de jeunes mariés. Ce ne serait une bonne chose pour personne. Je ne comprends pas, madame. Je sais très bien que vous êtes très proche de votre ami, mais j'espère que vous aurez la délicatesse de ne pas vous imposer. Mon ami, mais... Voyons, je fais référence à son mariage avec ma fille. Vous êtes au courant? Mais non. C'est étrange. Pourquoi vous l'a-t-il caché alors que vous vous entendez si bien tous les deux? Après tout, peut-être qu'il était gêné et qu'il ne voulait pas vous blesser. J'espère que vous saurez partager leur bonheur. Quand aura lieu la cérémonie? La date exacte n'est pas encore fixée pour l'instant, mais en tout cas, pas avant que vous n'ayez eu votre diplôme. Ah. J'aimerais les féliciter en bonne et due forme, mais je n'ai même pas de quoi leur faire un cadeau. Ça veut dire qu'elle m'a menti, qu'elle n'a jamais eu l'intention de s'enfuir avec moi. Peut-être même qu'ils ont comploté ça derrière mon dos. Je ne comprends plus rien, ça va me rendre fou. Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu étais malade. C'est vrai. Tu devrais aller chez le médecin. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Tu aurais tort de t'en priver. Ce n'est pas la peine. Je vais mieux. Je vais dans cette direction. Ah oui, j'avais oublié. Tu as des choses à faire aujourd'hui. D'ailleurs, quand j'y pense, c'est drôle. Ce matin, mademoiselle m'a dit exactement la même chose. Elle aussi a une course à faire. Oui, mais je ne sais pas laquelle. Il est en train de se moquer de moi. Pourquoi est-ce qu'il me dit ça sur ce ton faussement innocent? Peut-être qu'il me provoque parce qu'il sait que je vais le retrouver et que nous allons nous enfuir. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es très pâle tout à coup. Est-ce que mademoiselle sera au rendez-vous? Eh, ça va? À plus tard. C'est la première fois qu'il neige cette année. Je devrais être reconnaissant. Tu m'as aidé lorsque j'étais dans la détresse. Mais il y a des choses que les gens de ton milieu ne peuvent pas comprendre. Quand on n'a rien, et qu'il ne nous reste que l'amour, on est prêt à tout pour le protéger. Mademoiselle est à moi. Je t'interdis de me l'enlever. Merci. Je vous remercie d'avoir daigné me sourire. Je vous remercie d'avoir uni votre flamme à la mienne. Mademoiselle, je ne vous oublierai jamais. Mm.
僕たちは何かを探して見つけ出すために遅く起きた